Les tenues passe-partout. Passe-partout, ça veut dire quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie, il fait moche, vous n'êtes pas inspiré, vous ne savez pas comment vous habiller, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire le soir et tout. Bon, on a besoin de temps en temps d'avoir des tenues passe-partout, comme on dit. Donc, c'est quoi les tenues passe-partout? Ce sont des tenues indémodables dont vous êtes sûr qu'elles sont sans risque, qu'elles vous vont et qu'elles vous mettent quand même un peu en valeur. Et pour les femmes, les hommes aussi d'ailleurs, je trouve que le col chemisier est très bien. C'est toujours mieux qu'un col t-shirt ou un t-shirt. Le chemisier vous donne une espèce de projection dans le port de tête qui est toujours un petit peu chic et ça peut s'adapter à toutes les situations. Donc, ça peut être pour les femmes des robes chemisiers également, on en trouve tout le temps et de toutes les manières avec des épaulettes pour faire un petit peu militaire, un peu saharienne ou tout simplement sans rien, juste le col chemisier, un boutonnage serré. Ça, la robe chemisier, je trouve c'est vraiment bien. Vous pouvez la ceinturer ou pas la ceinturer avec une ceinture contrastée ou pas. Il y a également autre chose dans les robes qui sont les robes trois trous, comme on dit, c'est-à-dire droite ou trapèze, un trou pour la tête, des trous pour les bras ou des manches trois quarts. Mais ça, la robe classique sans fioriture, c'est vraiment une valeur sûre et une valeur passe-partout que vous pouvez accessoiriser le soir ou... Bon, il y a la jupe crayon qui est devenue un classique également. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir dans une belle jupe crayon qui vous met en valeur, qui vous gaine un peu, qui gomme un peu les rondeurs et que vous pouvez porter avec une veste, un chemisier, un pull. Toujours facile. Par contre, je déconseille vivement le plissé soleil, le plissé fortuny qui est très difficile à porter et qui n'est d'ailleurs plus très en vogue. Si vous êtes trop maigre, vous flottez dedans et si vous êtes un peu ronde, vous avez l'air encore plus ronde. Donc en tout cas pas la jupe au plissé fortuny. Il y a également la veste. Alors, la veste classique, la veste qui vous met en valeur, passe-partout, que vous pouvez porter tout le temps, c'est une veste qui est un peu près du corps. Alors, si vous êtes ronde, choisissez la droite. Si vous êtes fine, cintrez. Mais il faut que la longueur soit la bonne. Et attention, sur un pantalon, il n'y a rien de pire qu'une veste un peu trop longue qui descend en dessous des fesses et qui vous tasse, qui vous raccourcit les jambes. Donc, il vaut mieux avoir une veste qui s'arrête à mi-fesse et vous pouvez la porter à la fois sur une jupe ou sur un pantalon et ça vous met en valeur vos longues jambes. La veste en jean également est un produit passe-partout intéressant et surtout, si vous voulez la sophistiquer un peu, avec un petit col blanc qui dépasse. Pour parler du col chemisier, pour terminer, il y a un petit détail, un petit peu mode qui fait la différence. Vous ne le portez pas avec un col en V, vous le portez avec un col rond. Le chemisier avec le col rond donne juste la petite touche un peu moderne et qui fait un peu sage aussi. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un gros col à pelle à tarte. Ça, c'est vraiment impossible, sauf si vous voulez vraiment vous déguiser en 60s. Mais il faut que ce soit un petit col, juste pour mettre en valeur, comme je le disais, le port de tête. C'est ça l'essentiel.